attends, là ouais, ça c'est le truc, c'est Bubble Tail, c'est Bubble Tail. Bon, comment je fais alors? Faut le tenir, le mettre dans la bouche et on appuie, mais faut surtout... Il risque d'y avoir des bénichous ce soir. Surtout s'il l'ouvre, hein, parce que quand ça part, ça part. Il y a du bénichou. Il y a du bénichou dans l'air. Bon, fais gaffe comment tu le sors, hein, le truc. Hein. Alors. Quatrième, attention. Oui, allô? C'est Samuel. Quatrième. Bien. Génial. Alors, Machon, viens voir le plan de table. Nadine de Rothschild en face de Baffy. Très bonne idée. C'est ce qu'il avait sorti, Baffy à Nadine. Non, je Elle avait fait un livre sur le savoir-vivre, il lui avait dit « Est-ce que Saucé s'est trompé ?» C'est génial. Ariel Dombal, parfait. Bah, qui est en face? Elle a de l'humour, Nadine, non? Ouais, Nadine est géniale. Samuel, mon pote. Judith Godrèche à côté de moi, ça va. Bien. Ariel Wiesmann, très bien. Et Sonia Roland, écoute. Ah. Oh. Regarde comme il est beau, regarde, regarde comme il est beau. Regarde comme il est beau. Tu l'embrasses plus avant moi. Ça va? Il est beau ce Samuel. Je prends ton manteau. Hein? Ouais. Ça va? Ouais, ça va très bien. Il paye, je t'ai pas vu. Hein. Alors? Je suis fatigué. Il est fatigué. Pourquoi ta fille te laisse pas dormir? Si, parce que Anna, elle s'en occupe bien, elle a une révélation. Ah bon? Ouais. Anna est devenue une mère de famille. Il vaut mieux, je vais te dire. Elle est une mère de famille et puis vachement bien d'ailleurs. Il faut faire des enfants avec des mères de famille parce que sinon c'est très pénible. Ouais. Si t'es obligé de t'en occuper toi. Ouais, ça va être un peu quand même. À ta fille. Ouais. À Saul. À ta Saul. Ouais. Et à ton film. Et au film. Ouais, putain. C'est l'année, hein. Qu'est-ce que t'as d'autre cette année? Le livre. Le livre, il sort au mois de septembre. Je sais pas ce que c'est. La fille, le film et le livre. Ouais. La fille, ça va? La fille, écoute, elle est parfaite, mais ça m'angoisse que ça soit une fille. Ah ouais. Je ne voudrais pas qu'elle me présente des mecs comme moi, tu vois. Pourquoi tu l'appelais Saül, ta fille, là? Saul. C'est un garçon, ça. C'est un nom de mec. Ouais, mais parce que je veux que ce soit un mec. Tu aurais pu l'appeler Robert. Moi, j'ai jamais décidé du nom des enfants, ouais. Quoi, voilà. Donc, Anna, elle avait décidé ça. Je lui ai dit, très bien. Je suis allé à la mairie déclarer l'enfant. Ouais. Et alors, j'avais noté plein de prénoms. Et puis, mon fils, il m'en avait dit plein. Donc, il y avait, je sais pas, 12 prénoms. Ouais. Et des prénoms improbables, quoi. Alors la bonne femme, elle m'a dit, mais ça, ça n'existe pas. Je lui ai dit, non, mais c'est antillais, c'est antillais. Bon, t'es heureux, alors? Ouais, je suis content. Mais en même temps, Quand tu sois pas trop heureux. Non, parce que pour ton personnage, un peu comme ça, ténébreux, si t'es trop heureux, c'est pas bien. Tu sois un peu... Non, mais quand t'as un enfant, tu prends vraiment conscience de la mort, ouais. De la paternité. La paternité, c'est un truc qui te met un coup, quand même. Ah ouais. Donc moi, ça m'angoisse beaucoup, ça. Mais en même temps, c'est formidable, parce que ce qui me fait très plaisir, c'est pour... mon petit garçon, qu'il ait une petite sœur, ça me plaît beaucoup, ça. Et le livre, hein, tu n'as toujours pas fini? Le livre, si, il sort au mois de septembre et voilà. Il est très provoque, le livre. Il me fait peur, le livre, ah bon? Parce ils ont déjà des procès au cul, presque, je lire, là. Et pourquoi? Parce qu'il y a des histoires... C'est la suite des Chroniques de l'Asphalte. Quand tu arrives à Paris? Voilà, le personnage arrive à Paris, il fait des rencontres. Moi, j'essaie d'être juste avec ce que j'ai vécu. Quand je suis arrivé à Paris, moi, j'ai rencontré que des gens malsains, bizarres, pervers. Qui vont se reconnaître? Je sais pas si on se reconnaît, c'est un état d'esprit. Ouais. Alors voilà, c'est très... il est bien le livre, quoi. C'est quoi? Tu le mets dans la bouche. Ouais. Samuel, écoute-moi, je t'en supplie. Tu le mets dans la bouche et tu... Voilà, mais si tu croques, c'est mort. C'est bon, hein? Ah ouais, c'est très très bon. C'est un délire. C'est quoi? Ah, c'est un délire. C'est genre... Et ça, c'est autre chose, c'est encore un autre délire. Qu'est-ce qu'il y a dedans, là? C'est bon, ça. Une fois là. Ah ouais, c'est très très bon. Et ça, alors, c'est énorme aussi. Ça, c'est pareil. Si tu le croques, il faut le mettre dans la bouche. Voilà. Enfin, il a presque fait un bénichou, mais non. Thank you.
Oui, allô? Oui, Nadine et Laurent de Rothschild. Quatrième. Ah, Nadine et Baffi, c'est le couple de l'année. Hein. C'est ce qu'on tu sais pas s'il faut bien se tenir ou mettre tes couilles sur la table. Ah, hein, passer entre les deux, tu vois. Quand j'ai pas rien dans le frigo, je passe. Ah, d'accord. C'est rare dîné gratos. Très au courant. Ah oui. Je vais fermer un peu tôt. Bonsoir madame. Bonsoir. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Ça va bien? Ça va. Est-ce que je vous débarrasse d'un vêtement qui soit? Merci infiniment. Non. Ah non, c'est pour Ben oui, bien sûr. Thierry. Ma chérie, comment ça va? Très bien, puisque je suis là. Comment ça va? Bah écoute, ouais, bien sûr, t'es avec Nadine. Le couple de l'année, parce qu'on ne s'est pas quitté depuis notre dernière fois. Ah bah voilà. Voilà. Non, les hommes de ma vie, je suis dedans. Non, vous n'êtes pas, malheureusement, j'ai pas voulu. Ah bon? Alors Nadine, j'ai absolument envie de vous montrer quelque chose. Venez avec moi. Je vous attends là. Non, je vais te montrer après. Je crois qu'il va la baiser direct, ça sera fait. Et voilà, bonjour chef. Comment allez-vous? Vous êtes à la gauche de Thierry. Ariel Dombal. Ariel Dombal. Qu'est-ce que tu fais, Laurent? Je change les étiquettes. Hein? Je change les étiquettes. Ah non. Regardez, je pense à vous tous les jours. C'est vrai? Mais même plusieurs fois par jour. Ne me dites pas ça. Mais si, parce que sur mon portable, oui, j'ai mis un tableau de Domergue. Oui, alors je vous le dis tout de suite, c'est pas moi. Non, c'est pas vous. Non. C'est pas, non, je pense pas que c'est vous, mais vous avez été peinte beaucoup par Domergue. Trois. J'ai eu trois. J'ai fait trois tableaux et les trois, je les ai. Oui, non, mais je sais bien. J'ai pas l'impression, mais regardez. Oui. Je pense à vous toute la journée. Parce que Qu'est-ce que c'est mignon. C'est mignon. Écoutez, celui-là est à moi. Celui-là est à moi. Celui-là est à vous. Ouais. Qu'est-ce c'est que devenu friterie maintenant ici. Friterie. Ça sent. Pas grande classe, hein, bravo. Viens t'asseoir. Je prends une merguez, moi. Tu veux quoi? C'est marrant. Je me demande dans le fond, c'est quand même si c'était pas moi. Je me demande, c'est pas vous. Non. Regarde Laurent. Ouais. Je me suis acheté quelques Domergues là avec mes économies et regarde. Et donc je disais à Nadine. J'ai l'impression que c'était moi celui-là. Je sais que Jean-Gabriel Domergue a peint Nadine plusieurs fois. Non, pas à poil. Non, mais écoutez, ce qui était amusant, c'est qu'il me peignait nu. C'est ça qui était extraordinaire. Mais il m'habillait aussitôt. Voilà. Alors, donc il était le seul à vous voir nu. Je ne sais pas comment il faut prendre des choses. Il y a des scopitones de Nadine nue. Regarde comme elle est belle. Magnifique. Voilà. Hein? Alors je me fais foutre de ma gueule par tous mes amis. Hein. Daniel Philippe Aki est venu chez moi l'autre jour, le fait d'acheter, parce que déjà, pour lui, le fait d'acheter du figuratif, c'est une hérésie. Oui. Lui, il n'a que du Mark Cerns, il n'a que des trucs comme ça. Oui, mais il n'a pas évolué. Trinquer, c'est vulgaire. Allez. Trinquer, c'est vulgaire. Non, trinquer, c'est pas vulgaire. On a le droit à l'étiquette. Ça ne se fait pas, moi, on le fait pour. Ouais, santé, bonheur et chaud dans ta sœur. Hein, on regrette. Il n'est pas terrible, ce petit Bordeaux. Hein. Je ne dirais pas le contraire. C'est de la piquette, hein, par rapport à ce que fait Nadine. Tu vois, c'est un peu de la... Non, c'est difficile. Non, c'est pas ça, ça attaque. On ne dit pas ce que c'est, mais on a... Bah, c'est de la merde, sinon. Tu vois, en fait, c'est le crayon, Laurent. Eh ben, le crayon, ils ont une mauvaise cave. Non, ils ont Laurent, une bonne assiette. Non, Laurent. Mais pourtant, le crayon... Tiens, regarde, on a fait un numéro, tu vois. Nadine, hop. Non, s'il te plaît, pas faire par timidité. Bon alors c'est quoi ce livre alors Nadine, là, les hommes de votre vie? Eh bien ce sont les hommes de ma vie Thierry. Vous en avez eu qu'un. Ceux qui ont fait ce que je suis devenue, voilà. Ah ouais. Et il y en a beaucoup, il y en a dans tous les domaines, bon, alors, on va faire, allez, dans on toutes a les le professions. Temps. On a le temps, on y va. Non c'est intéressant un parcours de femme, vous savez. Et une... Surtout le vôtre, Laurent. Non s'il vous plaît Laurent, toi, maintenant. Non mais attends. Laurent, Fais gaffe, mais fais gaffe Laurent. C'est des yeux, c'est quoi? C'est pas bon, ça. Hein. C'est des yeux. C'est pas bon, ça. Mais si, c'est bon. T'as goûté, Samuel? Ça va très bien avec le pinard, goûte. Mais quand même, je veux dire, les hommes de ma vie, c'est pas très sympa pour votre mari, quand même. Pour mon mari? Mais pourquoi je ne me suis pas mariée vierge? Ah d'accord. Sans déconner. Dis, écoutez, enfin, il ne faut pas exagérer. Est-ce qu'aujourd'hui, une femme se marie vierge? Non. Bon, bah alors, pourquoi voulez-vous qu'à mon époque, ce ne soit pas la même chose? C'est une deuxième main, quoi, en fait. Je ne dirais pas une deuxième main, pas du tout, parce que je crois avoir été une femme extrêmement difficile. Vous savez, je le dis dans ce livre, il ne faut pas s'allonger à moins de... si vous voulez réussir. Non, pas à moins de...
si vous voulez réussir. Surtout pas. Ouais. Alors voilà, donc c'est un parcours très, très important. Mais vous allez être... Mais je vais le lire avec plaisir. Sûrement surpris par les hommes de ma vie, parce qu'il y a effectivement... L'abbé Pierre. Tout est incroyable. Non, non, pas l'abbé Pierre. Pas l'abbé Pierre, bien qu'on lui ait donné beaucoup d'argent. Et je dois dire honnêtement qu'il ne s'est pas bien conduit. Il faut le dire. Putain, le scoop terrible. Il ne s'est pas bien conduit ? Non. Mon mari ne voulait plus le recevoir. Ah oui, d'accord. Oui, à ce point-là. Mal habillé. Oui. Emmaüs. Ah, vous avez fait une académie, là, non ? Oui, j'ai ouvert l'Académie International Way of Life. Ah ouais. Alors, j'ai remarqué dans votre pompeur... Ah, tiens, pour d'abord... J'ai du mal à résister, fille, alors. Pour ta fille, pour ta fille. Ouais. Voilà. Pour ta fille qui est une petite souillon, ben, enfin une solution. Non, c'est un gros succès, très gros succès. J'ai les collèges, j'ai les écoles. Mais il y a une maison, il y a un endroit où les Ah oui, bien entendu, c'est à Carouge. Là-bas, qu'est-ce qui se passe ? Non, 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 attention, attention, il ne faut pas exagérer. C'est pas un pensionnat. Non, ça n'est pas. Je vous vois venir, vous seriez déjà un premier inscrit. Non, pas du tout. Non, non, ce sont des jeunes filles qui viennent, j'ai les collèges. Prendre des cours. Pour se faire déflorer, c'est où ça, il y a... Voilà, après leurs cours, elles viennent prendre des cours. Ah oui. Et alors, vous vous êtes aperçu finalement que les gens achetaient vos livres et s'en servaient, vous avez dit pourquoi je ne ferais pas une école, c'est ça ? Voilà, ouais. Bah, comment vous savez ça ? Bah, parce que à force de voir des appartements remplis de gens en disant j'ai suivi les cours de Nadine de Rothschild, ce qui était faux en plus, je me suis dit pourquoi pas moi. Et voilà. Je l'ai beaucoup poussé hein, parce que. Oui, oui, non, il, est assez, il, me met, il me met au travail d'une façon assez. C'est sans que c'était Laetitia Hallyday, oui, oui, ça. Oui. Hein. Mais je lui ai même acheté le théâtre du Palais Royal. Bah, c'est moi qui ai payé. Ah, d'accord, oui. Elle a ouvert une mallette pleine de thunes. Alice, c'est pour le petit combien ? C'est pour ça que sa pièce est jouée au Palais Royal. Exactement, ah, vous n'aviez pas compris pourquoi parce que c'était plein. Ma fille qui fait 500. C'est vrai qu'elle est jouée surtout un an et demi, deux ans. Ma fille, chaque fois qu'il fait une pièce, c'est 500 représentations. Tous les soirs. Mais si tu veux, là, j'ai compris pourquoi. C'est Nadine, t'as acheté le théâtre. Cash. Absolument. Ah ouais. Cash. En France-Suisse. Oh, ça m'a bluffé. Et ça va ? Mais t'es sur scène à part ça ? Je suis sur scène. Et alors ? Bah alors, c'est... je comprends que De Funès ait fait un infarctus, quoi. Ah ouais. C'est infernal. Ouais. Il a remplacé quand même, c'est fort. Il a remplacé au pied levé. Au pied levé ? Oui, c'est un petit théâtre à côté, c'est une petite salle. Son acteur principal, c'est quand même incroyable. Ça fait deux fois qu'il me fait le coup. Mais ouais, là, c'est 50 représentations. C'est bien. C'est bien. Ouais, ça m'entraîne pour mon one man en fin de compte. C'est pas un hasard. Mais c'est très fatigant. Mais attends, est-ce que tu comptes les rires quand tu es sur scène ? Bien sûr. C'est ce qu'il fait quand même. Oui, il compte les rires. C'est pas moi, c'est un assistant qui compte. Il compte les rires. C'est quand même extraordinaire. Ouais, mais en même temps, moi, au théâtre, j'ai passé des soirées extraordinaires. Ouais. Au début, tu sais, je me mettais dans une loge à Héberto et je matais le mec qui se marrait pas. Je passais une soirée, mais pourrie. Ah oui, le mec focalise sur le réfractaire et tu ne regardes que lui. Le mec qui vient en s'ennuyant et tu sais que le prochain gag, t'es fou. Le mec, il va encore plus te maudire. Et j'ai un pote qui m'a dit t'es fou, fais pas ça. Matt, le mec qui va se marrer, tu vois. Ouais. Elle l'a vu Nadine ta pièce ? Non, par pudeur, elle a pas voulu rester. Elle a dit écoute, elle a payé le théâtre, elle est partie. Mais ça, c'est son côté discret, Nadine. Une seule fois depuis que nous vivons ensemble, il s'est passé autre chose. À part le cul, non, non, non. Rien d'autre. Non, écoutez, soyez gentil. Non, c'est vrai que c'était très charnel. Non, il n'y a pas eu d'histoire d'argent, rien. Non, qu'est-ce qu'on a vu comme bon vin, des manches, c'est notre époque. Non, je ne dirais pas que c'était charnel, c'était sensuel, c'est pas la même chose. Avec votre mari, non, je sais plus qui vous parlez. Avec Laurent. Avec son mari. À suivre, toi. Je ne comprenais pas. Nadine et moi, on est ensemble. Voilà. Depuis, ça fait combien de temps maintenant ? 51% départ, j'ai mis les enfants à mon nom et j'ai reconstitué une famille. Une famille décomposée, ce qu'on appelle. Personne ne le sait. Personne ne le sait. Non, mais Thierry, il faut avouer, et c'est pas pour m'envoyer des fleurs, il y a très peu de femmes qui ont fait le parcours que j'ai fait. Bien entendu, mais moi je vous admire, c'est pour ça, bien sûr, c'est pour ça que je vous c'est vrai, très très peu. Très peu. Ce parcours qui est tellement varié, qui a commencé à l'âge de 14 ans, jusqu'à aujourd'hui où j'ai 74 ans. Non. Mais oui. Non, Nadine, mais oui, bien sûr. Ça y est mal. Non, non, pas du tout. Donc, si vous voulez... Vous êtes incroyable. Oui, incroyable. Mais elle se couche dans le congélateur. Hein, c'est chose. Oui, allô ? Judith et Yann. Oui, au quatrième, d'accord. Je suis très heureux. Vous savez, moi, en ce moment, alors c'est marrant, mais le problème, c'est que je suis heureux, mais je me rends compte que je suis très âgé. C'est dommage. Comment vous êtes âgé ? J'ai des années pour être heureux. Maintenant que je suis heureux, je vais mourir. Mais arrêtez ! Mais qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie ridicule ? C'est vrai, c'est bizarre, j'ai mis des années... C'est programmé pour m'emmener. J'ai une crémation mercredi.
cinéma. L'homme cinéma. Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien ? Bonsoir. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Tu prends un vêtement ? Ouais. Je vais garder un peu mon manteau, moi, parce que j'ai pas froid. Ouais. Tu prends une écharpe ? Ouais, merci. Tenez, il vous attend en cuisine. J'en prie. Bon, ça va, t'es content quand même ? Je suis au top. Hein ? Je crois que je suis au top. Ah oui, t'es au top, attends, je sais pas. Oh ! Ça fait une paye que je t'ai pas vu, toi. Ouais. Quand tu dis une paye, c'est une image. Salut Yann. Salut, bien ? Ouais, ça va bien ? Bon, asseyez-vous les enfants. Hein. Comment ça va ? Je te remercie, bien. Et le petit, comment ça va ? Ben, on a plein des petits. Bon, c'est Maurice. Ah, Maurice. Ah oui, je crois que... Et alors, comment va ta nombreuse famille ? Très bien. T'as combien d'enfants ? Deux. Ça va, c'est pas énorme. Deux, c'est vrai. Je compte faire mieux. Ah oui, tu continues. Mm. Et toi ? Zéro toujours. Comme en 1971, en 83, en 2001, toujours à zéro. En 2007. Tu sais ce que disait Guitry, tant que je n'aurai pas d'enfant, je serai toujours un fils. Ouais. Voilà, donc je suis encore un peu un fils. Tu as goûté ça, Yann ? Oui, oui. Judith, goûte ça. Mais tu mets bien dans la bouche, hein, tu fais gaffe. Hein. Je te remercie. Non, tu croques pas. J'aime bien tes conseils. Mais tu croques pas. Mmh. Ah ! Quel con ! Mais tu aurais mieux fait d'écouter mes conseils, tu nous as fait... tu nous as fait un bénichou. Oh là 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 là. Il n'y en a pas sur les seins, c'est moi. C'est du foie gras ? Non. Ah oui, il y en a... Calme-toi, calme-toi, Thierry. Attends le dessert. Garde-en pour le dessert. Alors, tu refais du cinéma, là, ça y est ? T'as arrêté de faire des enfants ? Ouais. C'est quoi le film qui sort, là ? C'est je veux pas que tu t'en ailles. Ouais. C'est quoi ? C'est une comédie avec Richard Berry et Julien Bassolier. Et le pitch, c'est quoi ? Le pitch, c'est une femme qui trompe son mari, qui est psychanalyste. Rôle de composition, là. Qui trompe son mari, qui est psychanalyste, avec comme son patient. Ouais. Elle a un amant. Quel patient du psychanalyste ? Voilà, mais elle le sait pas. Et l'amant le sait pas non plus. Et le mari le sait pas non plus. Ouais. Elle prépare le travail, quoi. Quand le mari s'en aperçoit, il manipule tout le monde, c'est voilà. Ça ? Ouais. C'est pas mal. C'est bien comme pitch. Oui, c'est un bon pitch. Non, sérieusement, c'est quoi ? Oui, c'est ça. C'est un tatouage, ça, que tu as, ou c'est un... J'en ai partout. Regarde. Non, mais regarde. Non, mais montre. Montre à maman, regarde. Ça rigole pas, Fleury Mérogis. Regarde. Ouais, c'est vrai. Regarde. Il s'est fait... C'est joli, Armand. C'est j'en très joli comme idée. De l'autre côté, il a écrit le nom de sa nana. Mais là... Laquelle ? Anna. Ah. Mais là, t'es un peu planté. Ça s'efface. C'est... Alors, il s'efface, j'espère. Ça s'efface pas, le problème. Ça s'effacera pas avec Anna. Mais je trouve qu'il ne faut pas effacer les trucs. C'est marrant parce que j'ai un sketch là-dessus. Mais il peut rajouter, de toute façon. Sur les tatouages avec les prénoms. Ah, c'est pas mal, ça. T'as un sketch dans ton one man ? Ouais. Ah, tu sais que Laurent prépare un one man ? Ouais. Et le problème, c'est que la vie, elle tourne et les tatouages, ils restent, quoi. Ouais. J'avais un pote, il s'est fait tatouer Sophie, en gros, dans le dos. Ouais. Et deux ans après, il était avec Myriam. Ben, lui, il a rajouté. Il a fait Sophie, quelle conne. Quand je pense que j'ai dépensé deux ans avec cette pintade. Heureusement, aujourd'hui, je suis avec Myriam et je suis bien plus heureux comme ça. Hey, c'est ton one man, ça ? Ça va être dans le one man. Mais c'est pas mal. Le chien. Comment il s'appelle, ton chien ? Il se bat, là. Non, je fais plus ça. Ah, tu fais plus ça ? Comment c'était ? Imba. Hein ? Imba. Mon chien, Imba. Imba. Non. C'est joli comme nom. Je dis, moi, je joue aux échecs avec mon chien, Imba. Non, Imba, c'est son nom, il sait pas jouer. Et comme personne comprend cette vanne, je l'ai guéri. Oui, allô ? Bonsoir, c'est Fred Larsen. Quatrième. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Chantez, Fred. Chantez, François. Bonsoir, Larsen. On peut lire, non ? Allez, si. Bonsoir. 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 Alors, j'ai invité des magiciens, Nadine, pour vous. Vous êtes prêts ? Attention, imagination, un beau jeu de cartes. On y va ? Oh. Ah ouais, alors c'est pas mal. Non, t'as pas vu mal. Ce qu'il a fait ? Tu es le fils de Serge Lamar, en oui, plus. Exactement. Ça va mieux, lui ? Qui est dans mon livre, ça va d'ailleurs. Mieux. Il était malade tout un temps, mais ça va beaucoup mieux. Voilà. Écoutez, vous lui dites mille choses de ma part. J'ai assisté à sa Légion d'honneur, d'ailleurs. Et il était il tout, rendu, petit, hein, il tout rendu. Petit gamin. Bah oui, son quand père, je jouais son père était chanteur au Théâtre des absolument, Capucines. Georges Chauvier. Georges Chauvier. Voilà, c'est son grand-père était chanteur au Théâtre des Capucines quand Nadine y était. Donc Serge Lama, toute sa jeunesse, il a fantasmé ton père, son Nadine. Il descendait par les escaliers pour voir toutes les jeunes filles en petite tenue. Ah, il a déjà obsédé déjà à l'époque. Extraordinaire. Des hein vous savez que les magiciens, c'est un fantasme, mais les magiciens arrivent à faire apparaître de l'argent.
Souvent, on aime bien ça. Et en fait, c'est plein de petites molécules d'argent qui sont là. D'ailleurs, il y a beaucoup de molécules ce soir. Hein. Tiens, Thierry. On n'a pas la molécule, vas-y. Au fur et à mesure, on peut s'apercevoir qu'on peut collecter un petit peu d'argent. Ça, c'est une miette. Et au bout d'un moment, on peut s'apercevoir que l'argent est créé. Vous me direz que ce n'est pas beaucoup, mais faites ça tout un dimanche, vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça peut être rentable. On va essayer quelque chose avec cette pièce, puisque vous savez qu'elle peut apparaître, elle peut aussi disparaître. Est-ce que vous pouvez souffler sur la pièce, Nadine? Allez. Elle disparaît. Vous avez vu ? Elle redevient toute petite boulette. On va la poser juste ici. On peut la reprendre et la mettre dans la main. Regardez, là, elle est partie. Effectivement, elle revient. Vous avez vu ? On va le refaire cette fois-ci. Tenez, on va faire une petite expérience. Est-ce que vous pouvez me tendre la main, s'il vous plaît ? Est-ce que vous savez que la matière est capable de passer à travers la matière ? Regardez bien. Touk. Vous avez senti ou pas ? Oh là là, c'est dingue ça. c'est dingue ça. je vais vous demander de vous tourner vers moi, s'il vous plaît. Oh là ! Et vous allez me tendre les deux mains, s'il vous plaît. Comme ceci. Attendez, hop, on va les écarter un petit peu. Alors surtout, ne bougez pas, ça va être important pour la suite de l'expérience. Regardez bien, vous êtes prêts à 3. 1, 2, 3. Elle disparaît, elle voyage, et elle arrive sur l'autre main. Vous l'avez passé ou pas? Alors, est-ce que vous pouvez retourner les deux mains? Mettez les mains face en l'air. Voilà, face en l'air. Est-ce que vous pouvez retirer un petit peu la chemise? Parce que des fois, on peut avoir des interférences. Et baisse ton pantalon, il va faire un tour formidable. Attendez, approchez-vous un petit peu, comme ceci. Alors, ne bougez. Ça me rappelle. Alors, ne bougez plus. Toujours pareil. Ne bougez plus, surtout. On fait des photos en plus. Elle voyage, et cette fois-ci, on va la voir arriver visible. Attendez. Elle est où? Bah, j'ai bien une idée, mais ça va déplaire. Ah, bah non, c'est. Ah, retournez la main. Ah oui, vous avez une montre, peut-être sous la montre, elle est peut-être restée bloquée. Ah oui, elle est restée bloquée sous la montre. C'est super. Merci. Merci très fort. C'est un malade. Et vous l'avez pas vu passer parce que c'est vrai que malheureusement les pièces d'euro sont trop petites. C'est pour ça que les magiciens, nous, on arrive à les accorder. C'est beaucoup plus visuel. C'est vrai en plus. Il est beaucoup plus fort que Serge Lama. Et ton pote, qu'est-ce qu'il sait faire, lui? Eh bien, mon pote, il sait faire de la magie et c'est un très grand magicien aussi, il s'appelle Larsen. Et il veut faire une petite démonstration, je vais lui laisser la place. Je t'ai emprunté ton journal que t'as laissé tout à l'heure en rentrant. Et je me suis aperçu en le lisant qu'il y avait des articles qui t'intéressaient plus que d'autres. Donc la meilleure des solutions, c'est qu'une fois que tu les as lus, c'est de les prendre et de les déchirer. Donc tu déchires tout. Okay. Ouais. Okay. C'est après, marrant, tu magicien, continues, j'adore. À lire les articles, une fois que tu les as lus, la meilleure des solutions, c'est de les prendre et de les déchirer. Puis quand tu lis ce qui t'intéresse, une fois que tu l'as lu, tu continues. Tu déchires tout. Et tu déchires. Fais péter le perroquet, on va gagner 20 minutes. Non, ça, c'était à ton époque. Alors, ici, j'ai... On m'avait prévenu. Mais la meilleure des solutions, Thierry. Hey, la meilleure des solutions. Voilà. C'est de le lire. Au moins comme ça. Merci, au revoir, à bientôt. Oui, allô? J'ai pas... Oui, c'est Ariel et Sonia. Quatrième. Merci. Je suis là à discuter, tranquille. Ça fait du coup. Et ça va être dur là. Bon, on va passer une excellente soirée. Hein. Oh non, peut-être, mais c'est pas sûr du tout. Bonne soirée. Donc, alors, voilà. Bon, bah moi je me permets. Hein. Ah, on va passer à table, Nadine. C'est les piles de ferristes. C'est les jongleurs. On va passer une belle soirée. Tess Duberville, monsieur joli. J'espère que ça sera pas aussi tragique. Non. Qui c'est? C'est Ariel Westman et Sonia Roland. Hello. Ça va, ma chérie? Mais oui. La dernière fois que je t'ai vu, c'était au Crazy Horse. Mais oui, c'était au Crazy Horse. C'est bien terminé. Eh ben, oui. Oh là là, c'est trop génial. Prends le pain. Hello. Viens, ma petite Ariel. Bernard va bien? Mais oui, il est en avion. Bah oui, ça j'imagine qu'il est... Il arrive. Hello, Laurent. Il porte le pain. Alors toi, tu es où, toi? Moi, j'avais la même place la dernière fois. Voilà, je reprends ma place, je suis inhabituée. Prends-en deux, c'est pour moi. Bon, ça va?
Ça va, tu veux du pain? Merci, je vais prendre la table. t'as pas de bonne chance avec ton pain. Mais il y en a plein à table. Toi, tu es là. Qu'est-ce que tu fais, Laurent, avec ça? On m'a dit de prendre le pain. Où t'as dit de prendre le pain? Vous n'avez pas vu Ariel au Crazy Horse? Qui n'a pas vu Ariel au Crazy Horse? Enfin, tout au moins dans les publicités. Ah non, mais c'était extraordinaire. Ah, oui. Extraordinaire. Ben... Je pensais à Bernard, je me demandais quel effet ça doit faire. Moi, ça me plaît. Femme à poil sur scène. Oui, mais finalement, elle était tellement excitante, tellement... Moi, si j'étais une femme, je serais tout le temps à poil, d'ailleurs. Ouais. Eh. C'est vrai, non? Moi aussi. Si j'étais une femme, je serais une salope, moi. Tu l'as vu, le spectacle? Non, j'étais pas là. Il y a un truc de délire. C'est pas Ariel qui le fait, mais c'est une fille qui se frotte, comment on peut dire, pour être poli, le cul. Non. Contre une... En fait, ta phrase, Nadine, comment on pourrait dire? L'océan. L'océan, ouais. Le postérieur. Sur une barre qui descend du plafond. Et la fille se frotte comme ça en gros. C'est très excitant. Quoi. Moi, j'étais oui. Au bord de l'érection. Ouais. Non, mais ce qui est tellement adorable, c'est que le Crazy Horse, évidemment, les filles. Tous ces mecs, les bites à la main. C'est adorable. C'est vrai qu'Ariel a quand même fait un parcours incroyable. Elle a commencé avec Eric Rohmer, elle termine au Crazy Horse. C'est quand même énorme. Termine, elle n'a pas fini sa carrière. Vous avez arrêté de dire elle termine. Mais oui, exactement, c'est ce que j'allais dire. Vous arrêtez pas de dire elle termine. De toute façon, il faut toujours faire toutes les choses comme si c'était la dernière. Bien sûr. Et comme si c'était la première. Tu vois, je t'ai dit pour le testament, tu veux pas me croire. Est-ce que tu vas aller à Las Vegas alors? Oui. Ça y est. Enfin, je crois, je sais. Et Bernard est d'accord pour que tu partes à Las Vegas? Il ne sait pas encore tout à fait de quoi il s'agit à Las Vegas. C'est mal le connaître. Ce qu'il faut savoir, Thierry, c'est que Bernard, il a quand même une particularité très, très spéciale. C'est qu'il était passionné par la musique avant d'écrire. C'est vrai. Il prenait des cours de piano avec Alfred Cortot. Voilà. Ah ouais. Et du jour où il a écrit son premier livre, La barbarie à visage humain, il n'a plus jamais écouté une note de musique. Sauf... Bon, c'est un peu ça, la légende. Oui, mais moi, je n'ose jamais lui faire écouter ce que j'ai fait. Et d'ailleurs, est-ce que je peux dire un secret? Oui. Dans un de mes disques, il y a des mots écrits par Yann. Exact, c'était un plaisir. Et je peux révéler un secret aussi? Oui. Ça ne va pas du tout vous embarrasser. Un jour, j'étais avec Bernard et Ariel chez eux. Et Ariel avait suggéré à Bernard de passer un an dans une montgolfière, dans un ballon. Et Bernard dit, très pragmatique, parce que c'est pas du tout un intello éthéré, il est très pragmatique. Il dit, mais comment est-ce qu'on va faire pour les toilettes? Ouais. Et Ariel dit, the world, honey, the world will be our bathroom. Quelles sont les fautes de goût, Nadine, là? À part Thierry. Quelles sont les grosses bévues, là? À part Thierry. Les enfants, lâchez-moi les baskets avec le savoir. Tu as des baskets, Nadine? Je ne suis plus invitée à dîner à cause de ça. Ah ouais, les gens ont peur. Les gens en ont ras-le-bol. Ah ouais. Et moi aussi, d'ailleurs. Bon, donc tout va bien. Non, tout va bien. Non, j'ai beaucoup de mal à dresser le petit en face de moi, mais sorti de ça, c'est... Comment ça se passe? Alors, il est rebelle quand même. Hein. C'est pas qu'il est rebelle. Il y a quand même certaines réticences, mais enfin, j'y arriverai. Elle me domine, hein. Regarde, là, je baisse les yeux. Hein. Elle baisse les yeux. Je sais qui est le maître. Hein. La seule personne qui est arrivée à dominer Laurent Baffie. Bah, attends, avec des virements comme ça, tu fermes ta gueule, toi aussi. Non, il y a une entente très forte entre nous. C'est vrai. Nous sommes vraiment un couple. Non? Une osmose, une fusion, n'ayons pas peur. Absolument. Des mots. Absolument. Non, l'ennui, c'est qu'il a des enfants, et pour l'héritage, ça va être difficile, parce que moi, j'ai aussi d'un enfant. Tu sais, je ne suis pas avec toi pour l'argent, nana. Non, mais j'ai bien compris. On a un vécu depuis 4 ans qui existe. Tu peux compter sur moi, comme moi, je compte sur lui. Ah, ça, je compte sur toi, ça. Un point que je n'imagine pas. Les clés de bagnole 2, là. Tu devrais me demander un peu plus conseil, quand même, un peu plus souple. Il a dit qu'il allait faire les clés de bagnole 3. Si je fais la suite, je fais les clés de bagnole 3. Et sur la fille, je mettrai le 2 était tellement nul que je l'ai mis à la poubelle. Il continue à s'enfoncer. On peut avoir du mauvais vin? Hypothermie. Machin! Vite, on va partir! Menacer, sinon il n'amène pas. Oui, allô? Julien.
c'est un mime, de toute façon. Oh, il est formidable, lui. Ah oui, je connais. C'est un génie, lui. Un génie. La lutte finale. Ouais. Un international. Nadine. Comment il va ton Jules alors? Il va bien, il te passe le bonjour. Il est libre? Il est quoi? Il est, ça va bien. On était avec Rocancourt. Je t'avais pas trouvé sympa sur le plateau quand tu étais venu. Quand il était venu? Non. Si, il est sympa, moi je l'aime bien moi. Peu importe, vous l'avez choisi. Oui. Qu'est-ce qu'ils ont dit tes parents quand tu leur as dit je fais un enfant avec Rocancourt? Ma mère m'a dit du moment que tu es heureuse, qu'ils te rendent. Ah ouais, elle est bien disons. Ah, c'est une Rwandaise hein. Moi, si j'avais dit à ma mère, un enfant avec Rocancourt, je ne suis pas sûr que j'aurais eu le même accueil. Qu'est-ce que fait M. Rocancourt? M. Rocancourt a été. Excusez-moi. C'était l'associé de Paul Naref. Non, c'est extraordinaire. Rocancourt, comment on pourrait dire? C'est un d'habitude, peu... il fait des enfants dans le dos. Non, mais c'est comme Catch Me If You Can. C'est-à-dire, c'est un type. C'est ça. Qui... C'est une sorte de héros moderne. C'est un héros moderne qui est allé à Los Angeles, qui est un gosse de l'assistance, qui est parti à Los Angeles et qui a endossé. Des dizaines de personnalités différentes. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Au parloir. Non, pas au parloir. Non, on s'est rencontrés au Plaza. Il pas était, loin. Ouais, il était pas. et puis voilà, il s'est présenté, on s'est dit bonjour. Il voulait m'aider pour mon association, ce qui m'a paru un peu bizarre à l'époque. Et puis il a vraiment aidé l'association, quoi. Il a fait. Pour vous marier avec Edmond, vous étiez obligé de vous convertir. Pas obligé, c'était vraiment ce que je désirais. Ah, comme je ma mère. Voilà. Ouais. Non, c'était une conversion totalement indépendante de sa volonté. Je me suis fait convertir deux fois, moi.
avec ces conneries de conversion. Pourquoi deux fois ? Circoncire, deux fois. Ah oui ? Parce que ma mère a mis, je me suis fait circoncire à la naissance. Oui. Voilà. Fais voir ta bite, on va gagner des temps. Non mais Samuel, pourquoi deux fois ? Pourquoi deux fois ? Parce que c'est... Parce que... Hypertrophie du gland, il faut qu'on voit Samuel, on ne se rend pas compte. Hein. Non, parce que ma mère était... Oh, puis merde, t'as raison. Non, des preuves. Non, mais parce que ma mère, elle s'était convertie, donc il fallait que la première circoncision ne comptait pas, vous comprenez ? Ah ouais. Enfin bon bref, alors je suis allé chez ce type, c'était un peu crade et tout ça. Et puis il m'a dit qu'il fallait que je reparte en ambulance. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'il y a eu, c'était un jeu, c'était un test, vous voyez. Et en fait il a juste pris une aiguille et il a piqué pour qu'il y ait une goutte de sang qui tombe. Voilà. C'était symbolique. Voilà, c'était symbolique. Ça fait pas mal une aiguille dans le gland, c'est symbolique. C'est beau une femme galette, hein, Samuel, c'est beau non? Ouais. C'est dur, c'est de l'esclavage. Ma femme, elle était au palace, au privilège, partout. C'était très rock'n'roll, alors. Ouais. Oui, Anna, elle fait ça aussi, elle a l'aide, paf, comme ça, partout. Elle sort ses seins, tout ça, c'est vachement beau en même temps. Parce qu'il y a une espèce de. Moi, j'avais oublié, parce que mon premier enfant, je l'ai eu jeune, donc je ne me souviens pas très bien. Mais c'est fou quand une femme est enceinte, à quel point son corps appartient à tout le monde. En général, les hommes ne regardent pas. Non, voilà, il y a un truc comme ça, un peu sacré, alors que c'est quand même. Bah oui. T'as allaité, toi? J'allaite toujours. Toujours? Ah oui. Est-ce que t'as un tire-lait? Oui, j'en ai un. Appelle-moi Lolo. Bah, sinon, je pourrais pas être avec vous ce soir. Ah ouais, tu vois, elle a un tire-lait. Oui, ouais. C'est quoi un tire-lait? Un tire-lait, c'est quand tu as démonté de lait. C'est un mec qui se dévoue dans une soirée. Là, par exemple, ce soir, t'es parti, t'as laissé du lait. Voilà. Ouais. Moi aussi d'ailleurs. Moi, je voulais que ma femme allaite. Vous en apporter. Moi, je me suis retrouvée dans un très grand restaurant avec mon fils quand il était tout petit. Et on dînait dans un restaurant qui avait 2-3 étoiles au Michelin, je ne sais plus. Ouais. Et en fait, on est venu me dire que ça dérangeait en fait, que j'allaite dans le restaurant. Et tout le monde, pourtant, fumait des cigares en mangeant. Ben c'était curieux quand tu... Toi, tu n'avais rien dit contre les cigares, mais eux, ça les faisait... Oui. Enfin, on est venu me dire que ce serait mieux que j'aille aux toilettes, que c'était un peu gênant. Ah ouais, c'est pas bien. Que je sorte mon sein, même discrètement. Surtout tes seins qui sont magnifiques. Voilà. Ça a vraiment le goût de lait ou pas? T'as goûté? Non. T'as goûté? Moi, j'ai tout goûté. J'ai même goûté, comment s'appelle le premier truc qui sort jaune? Colostrum. Colostrum. Ça n'a rien à voir avec le lait, quoi. C'est dégueulasse. Et le lait de femme, comment c'est? Ah, c'est bien. J'en ai, tu veux? Il y en a toujours. C'est bon? Non, c'est un peu amer. Bah, tu goûtes ton propre lait? Bah oui, on le fait goûter aux autres. Moi, je l'ai fait goûter. Mais nous, on bouffe que ça à la maison maintenant. Hein. Je dis pas les 1000 chèques qui se donnent. Bonsoir. Voici le chef. Comment ça va? Bonsoir. Bien. Bonsoir. Fais la bise. Enchanté. Bonsoir. Madonna. Laissez parler les petits papiers. Des gâteaux. Je le vois dans la glace, c'est très beau vu dans la glace. C'est un des plus beaux anniversaires que j'ai jamais fait. Bravo! On va le mettre ici. Ah, ouais, mais il faut le découper après. Hein. Mais on le découpe sur la table. Allez. Oh, ouais. Si, c'est ça qui fait fête. Ben, je vais goûter. Est-ce que tu as fait un vœu? C'est Las Vegas déjà, Ariel. Ouais. Make a wish. Make a wish. Make a wish. Ça veut dire prends-moi sur la table en anglais. Make a wish. Bon, tout le monde goûte comme ça, là. Qu'est-ce que c'est bon? Mmh.
Bonsoir. Mais alors et moi alors? Vous m'avez laissé quelque chose à manger ou pas? Ah, c'est bien. Oui, allô? C'est Ariel. Quatrième. Merci. Ça va, surprise, c'est trop tôt. Oui, non, c'est un peu exagéré. Ma chance. Pardon à tous. Déjà ? Voilà, je suis désolé. Ouais, moi ce gâteau là. On t'a beaucoup attendu. Bien. Dalida. Dalida, allez. J'ai pas toutes les paroles. Bon, t'as pas tout le physique non plus, enchaîne. Ou alors je suis venu d'avoir 18 ans. Oui. Ouais. Bon, allez. Ah, oui. Allez, 19, oui. Allez. Allez, 19. Mais il pas tout le physique non plus, c'est la mieux. Donnez-leur de qui? Donnez-leur de l'argent. Il veut avoir 18 ans. Minimum. Que ces gens-là soient payés. Ils ont monté 4 étages à pied avec les instruments. Fort comme un homme. Voilà, voilà, voilà. C'est un animal. Il faut reconnaître le bruit d'un animal. C'est un mammifère. Il venait d'avoir 18 ans et il était beau comme un enfant. C'est génial, à toi. Ou alors parole et parole. Attends, oui voilà, parole et parole. Ouais, parole et parole et parole. Très bien. C'est bien de faire comme ça d'enchaîner, c'est bien. Bambino, Bambino, à toi. J'adore, c'est ma. Les paroles, les paroles. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Paroles, les paroles. J'ai dit ce type. Caramel. Oui, ton aura, mais ferme ta gueule. Ce que tu veux, mais tais-toi. Même si pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre. Sécurité. On va faire un jeu avec Judith, mettons. Ah, j'en ai des sûres. Donc, ne regarde pas. Je vais te mettre un nom sur ton front et tu devras nous poser des questions pour savoir qui tu es, d'accord? Ne regarde pas. Tu vas vraiment me coller un truc sur le front? C'est pas grave, c'est un peu stit. Non, vas-y. C'est pas compliqué. Ah. Ne bouge pas. Pas du 19e siècle. Ne bouge pas, je te colle le post-it. Alors voilà, pose des questions maintenant, Judith, et dis-nous qui tu es. D'accord. Est-ce que je suis une femme? Oui. Est-ce que je dis, suis... si tu as un conseiller en image, c'est le moment de l'appeler. Est-ce que je suis une actrice? Non. Oh, je suis très comédienne quand même. Très comédienne. Ah, oh, c'est Ségolène Royal. Bon, tu sais. Elle est dans le miroir. Ok, Mickey, d'accord. You got it. Yann. Ah, c'est bon. Ok, vas-y, Ariane. Bon, est-ce que c'est un acteur? Non. Ah non. Chut. Est-ce que c'est un commentateur? C'est dont c'est le métier. Ouf, c'est pas un commentateur, non. Il a pas fait le Guercé, à l'époque? Non. Ce n'est pas Omar Sharif. Non. Bravo. Non. Robert Rue. Robert Rue. Tu fais les cheveux comme ça et dis Robert Rue. Non. Continue, Ariel. Non, mais t'es sur la piste. Je suis sur la piste. Oui. Mais oui. Est-ce qu'il écrit dans oui. les journaux? Oui. Ah, il écrit des livres, il écrit dans les journaux, voilà. Ouais. C'est un écrivain. Est-ce qu'il a une pointe acerbe? Oh, bon. Acerbe, je sais pas. Non. À croate. Plutôt à croate ou plutôt à bosniaque. Donc, il est plutôt des pays de l'Est. Oui. Il est d'origine des pays de l'Est. D'origine des pays de l'Est. Milosevic? Pas loin. Tu peux demander s'il est juif, on te répondra. Ah oui, oui. Oui, est-ce qu'il est juif? Oui, Rabbi Ardisson. C'est pas sûr. Oui. Oui. C'est affreusement difficile. Pense aux cheveux. Mais enfin, les cheveux, comme ça. C'est scandaleux. Oh, il est féminin. Ah, je l'ai vu. Quel mime. C'est un peu rien. Non, mais enfin, la démocratie. C'est pas Glucksmann. Oui. Ah bon. Ah, enfin, Nadine. Est-ce que c'est un scientifique? Non. Un peintre? Non. Un écrivain? Non. Un travesti? Non. Pourquoi pas? Il a une profession avec les mains? Oui, aussi. Voilà, oui. Avec les mains? Oui. Enfin bon. Non, c'est non, pas le principal de son activité, mais enfin, il y va avec les mains. Non, c'est pas il y va avec les mains. Ah oui, oui. Il y va avec les mains. Ah, oui. Est-ce que c'est quelqu'un que je suis censée rencontrer? Oh non. Non. Tu aurais pu, Nadine. Tu aurais pu. J'aurais pu. Non.
piano. Oui, Francisco Pacho González avec Marcella Coloma. Quatrième. Donc il n'est pas français. Oh non. Oh non, non, non. Il n'est pas français. Est-ce qu'il est... Vendéen, non. Non. Il a eu une très grande célébrité. Oh, oui. 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 Tiens, c'est lui. Bon, est-ce que c'est un pays où il y a des Noirs? Oui, oui, oui. Mobutu? Non, non, c'est pas loin. Ça va bien, bonsoir. C'est l'autre. Moins sympa encore. Magloire, ouais. Attends, attends, je l'ai sur le bout de la langue, mais il n'y a que ça, si tu veux. Ça va faire du monde, là. Et il nageait. Il nageait beaucoup. Oui. Oui, je vois qui c'est. Ah, bah oui. Ben voilà, voilà. Je l'ai pas. Là. Voilà. Non, non, mais je vois. Un type charmant. Amin Dada. Voilà. Oh, elle l'a trouvé. Si quieres tú con Dios hablar, pregúntale si alguna vez te he dejado de adorar. Y el mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ni a besar? Para para papá papá para pa ah oui Ismaël Diane para papá la chanson qu'elle a le seul mélodie de Diane. Laisse-moi kiffer la vibe avec mon mec. Dance with me, make me sway like the ocean hugs the shore. Sway me smooth, sway me more. Like the lazy hunting in the breeze. Sway with me, dance with me. When we dance, you make a way with me. Stay with me, sway with me. J'suis pas une bombe latine, j'suis pas une bombe platine. La passion et le calor de autre amour. De un amour que me hiciera sentir. Que me hiciera feliz. ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé. ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Vamos todos. Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé. ¿Quién será? Je l'aime pas celle-là. Cerca de mi. Es tu palpitar. Es tu palpitar. Es tu palo. Es tu palo. Son tus besos. Me estremezo.
pour être sûr de ne rien rater de Inarditude, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.